Ok, bienvenue chez Njamba Ombovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'angle de pliage. On va montrer étape par étape, pas à pas, comment on fait donc pour déterminer tout simplement l'angle de pliage qu'on appelle encore tout simplement le rectiligne du dièdre, c'est-à-dire l'angle de pliage entre deux plans. On va voir deux cas. On va voir le premier cas, c'est-à-dire on aura le cas où l'arête de pliage est vue donc en vraie grandeur, tout simplement donc sur le plan frontal. Au deuxième cas, on va voir le cas où l'arête de pliage, tout simplement donc, n'est pas en vraie grandeur, d'accord, sur le plan frontal. Ok, pour pouvoir donc réaliser ces travaux dirigés, on aura bon besoin de l'équerre, d'un compas, d'une gomme, d'une règle graduée, d'un crayon ou bien d'un crayon à mine. Sans toutefois tarder, on va donc voir tout simplement l'exemple d'application. Ok, nous sommes dans le premier cas, c'est-à-dire l'arête de pliage est vue en vraie grandeur sur le plan frontal. On peut donc voir l'arête de pliage ici, qu'on va noter donc AB. Donc on voit bien que c'est horizontal, c'est-à-dire parallèle à la ligne de terre. On peut voir donc A', B', d'accord, qui est tout simplement l'image donc de AB sur le plan frontal. On peut donc voir que AB ici est en vraie grandeur parce qu'on voit que sur le plan horizontal ici, l'arête de pliage est tout simplement horizontal, c'est-à-dire parallèle à la ligne de terre. D'accord, donc AB est tout simplement vu en vraie grandeur donc sur le plan frontal, c'est-à-dire sur la vue de face. Comment on doit donc faire pour déterminer l'angle de pliage donc tel que l'arête de pliage est tout simplement donc AB. Premièrement, on prend donc tout simplement donc notre équerre. On va venir ici en une position quelconque sur A', B' sur la vue de face. On va tracer donc une perpendiculaire tout simplement à l'aide donc de notre équerre en une position quelconque. Ok, on trace donc une perpendiculaire à A', B'. On peut donc voir cette perpendiculaire que nous avons donc tracée tout simplement ici à A', B'. Ça coupe la base ici en un point qu'on va appeler par exemple ici le point O'. D'accord? On va donc prendre maintenant l'équerre. On va donc placer maintenant perpendiculaire à la base tout simplement ici. On va projeter donc tout simplement donc le point O'. D'accord, on va tracer une perpendiculaire à la base passant donc par O', qui va venir couper tout simplement donc qui vient donc couper la base ici en deux points tels qu'on peut voir là. On peut appeler ici donc le point C et on peut appeler ici donc le point D tout simplement. On continue maintenant, on prend donc notre compas. À partir donc du point O' comme centre avec notre compas, on ouvre jusqu'à cette perpendiculaire ici tout simplement. D'accord, on rabat donc ce point-ci sur la base ici tout simplement tel qu'on peut voir là en image. On rabat donc ce point-ci sur la base ici. Donc le point-ci, nous pouvons donc l'appeler ici le point 1. On rabat donc ce point 1 ici, tout simplement ici, donc en 1'. On fait encore une projection donc orthogonale maintenant, si cette fois-ci sur l'arête AB. Donc à l'aide donc de notre équerre, tout simplement, on trace donc tout simplement la projection donc orthogonale de ce point-là. D'accord? Tel qu'on voit là en image, on projette donc ce point sur l'arrêt ici à ce niveau-ci. On peut donc dire que on peut donc appeler donc ce point ici donc 1'. On peut donc joindre maintenant donc tout simplement C1'. Donc on joint donc C1'. On joue maintenant D 1'. On
On obtient donc cet angle ici, qu'on va appeler donc l'angle alpha. Donc voici la vraie grandeur donc de l'angle de pliage que nous venons donc de trouver. Donc l'angle alpha qui est tout simplement donc l'angle C1'D est tout simplement donc la vraie grandeur de l'angle de pliage qu'on cherche. Ok, on va donc passer tout simplement nous sommes donc au deuxième cas, c'est-à-dire l'arrêt de pliage n'est pas vu en vraie grandeur sur le plan frontal. On peut donc voir les puces. Voilà donc notre solide ici tout simplement. On peut donc voir l'arrêt AB. On peut voir que c'est oblique, d'accord, tout simplement. C'est oblique ici sur le plan horizontal. Et en même temps, son image ici, B'A' est encore oblique sur le plan frontal. Donc du coup, on comprend bien que la droite donc AB n'est pas vue en vraie grandeur sur ce plan horizontal, d'accord, ni sur le plan frontal. Donc c'est une droite oblique. Pour pouvoir trouver donc l'angle, c'est-à-dire l'angle de pliage, on va d'abord déterminer la vraie grandeur donc de la droite de l'arête AB. Pour ce faire, on va donc tracer tout simplement d'abord une parallèle. La parallèle donc à AB sur le plan horizontal ici. Donc à l'aide donc de notre équerre et de notre règle graduée tout simplement, on trace donc une parallèle. On peut donc voir notre parallèle donc. Nous avons donc tracé la parallèle donc à la droite AB, d'accord, à l'arête AB. On va maintenant faire la projection donc orthogonale du point B sur cette droite tout simplement. Même chose pour le point A. Ici, on a déjà donc A prime. Donc on a A prime prime. On cherche donc la position donc du point B. On n'a qu'à prolonger donc à partir du point B sur la droite ici, parce qu'on veut donc la vraie grandeur de l'arête. On prend maintenant tout simplement donc la hauteur de la pièce qui vaut donc 30. À l'aide donc du compas, on relève donc la hauteur. On vient donc reporter ça ici à partir du point B tout simplement ici. On n'a qu'à joindre donc tout simplement avec A'. Ok, donc voici l'arrêt, donc voici la vraie grandeur de l'arrêt AB que nous avons donc cherché tout simplement ici, d'accord, en utilisant donc le trait carré. Maintenant, on prend donc tout simplement donc notre équerre à une position quelconque donc sur l'arrêt en vraie grandeur, à l'aide donc de l'équerre. On trace donc la perpendicularité jusqu'à ce que ça coupe dans l'horizontale ici en bas. Ce point-ci, on peut donc l'appeler dans le point A. Et ici, on peut donc appeler ici le point O. Donc, à l'aide dans les équerres, on trace donc tout simplement cette projection orthogonale jusqu'à ce qu'on obtienne donc le point C ici et le point D à ce niveau-ci, à partir donc du point O. Alors à partir de ce point-ci, on trace une perpendiculaire là jusqu'à ce qu'on obtienne donc le point C et le point D. On prend maintenant notre compas, on met la pointe sèche du compas donc au point O, on ouvre le compas jusqu'au point 1. Donc, on prend dans O1, on rabat dans le point O1 sur la droite horizontale. On obtient donc ici, en ce point-ci, le point 1'. On n'a qu'à utiliser maintenant l'équerre pour tracer donc la projection orthogonale de ce point-là sur l'arête AB sur la vue de dessus.
Et ce point-ci sur la règle, on va l'appeler donc, comme tout à l'heure, on va l'appeler 1 prime prime. On n'a qu'à joindre donc tout simplement 1 prime prime D. Un prime prime D et un prime prime C. Et un prime prime C. Donc voilà l'angle de pliage donc qu'on obtient ici, la vraie grandeur donc de l'angle de pliage qu'on a ici, qu'on va noter donc alpha. Donc on peut dire tout simplement que alpha, donc alpha c'est tout simplement donc la vraie grandeur de l'angle de pliage. Donc on a donc D 1 prime prime C qui est donc alpha est tout simplement donc l'angle du pliage, d'accord, qu'on cherchait tout simplement. Ok, nous sommes donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape comment on procède donc pour déterminer les angles de pliage. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!